Salut à tous, c'est Linkos, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Et oui, donc, nous sommes en période de Noël, j'espère que vous avez eu de beaux cadeaux, hein. Je pense que je sortirai cette vidéo après Noël. Et donc, nous allons faire des parties avec un mage casino, je l'ai appelé. Pourquoi ? Eh bien parce que il n'y a que des cartes random et des cartes découvertes. Vous allez voir, ça va être fun. Allez, c'est parti, on va s'amuser, on est là pour ça, on est là pour se faire plaisir en cette période. Ah, ça va être bien. Moi, je vous dis que ça va être bien. Croyez-moi. Faites-moi confiance. Et ça serait vraiment bien qu'on gagne en plus. Après, bon, c'est pas le but, mais le but, c'est de faire des parties vraiment rigolos. Alors, on tombe sur contre un paladin. Donc voilà, hein, à la fin de votre tour, ça ajoute des cartes random, ça change en cartes aléatoires, en sorts aléatoires, ça c'est des serviteurs aléatoires. Tout est aléatoire. Bon, on va virer tout ça. Ah, mais je vous promets, on va bien s'amuser. Ok. Alors, ok, c'est un père, c'est un paladin père, pourquoi pas. Celui, il est pas prêt, hein. Il est vraiment pas prêt. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un ping, et après on va faire le T3. Ça ajoute un serviteur aléatoire à 2 cristaux dans la main de chaque joueur. Ok, on a bien fait, comme ça, hop. Hop, on fait ça. C'est quoi? C'est pas trop mal, hein, en vrai, ça. C'est vraiment pas mal. Ah ouais. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire? Doucement, hein. Ah, il va me faire pièce arme. Ah non. Ok. Ok, ok. Ah, c'est pas très sympa, ça. Hein. Ouais, c'est pas très sympa. Un faux pas. Ah oui, tu l'as pas placé ici. Bah ouais. Effectivement, un faux pas. On va faire glyph. Écoutez, on va faire ceci, et on va essayer de comboter avec le corbeau après. Ah oui, oh non, mais ça va être trop bien, attendez. Ah, oh, ça va être trop bien. Ah, oh, je vous jure que ça va être trop bien. Ça... Je vais faire un truc comme ça. Ouais, ça me paraît bien. Ok, on a un bon prochain tour après. On va faire corbeau, projectile et glyph. Ah, oh, ça va être trop bien. Qu'est-ce qu'il va me faire? Doucement, hein. Allez. Ok, ça va, c'est pas trop... C'est pas trop chiant. Y'a pire. Allez, là on va s'amuser. Corbeau agaçant. Petite glyphe. Oh putain. Ah oui, oh bah oui. Allez, on continue, hop. Plus dans le random, toujours plus dans le random. Oh mon dieu. Oh là là, dégâts des sorts. Oh putain, ça y est là. Hop, on fait ça. Et on fait ceci. Oh non, pas ça. Bon, au moins ça a visé les bons serviteurs. Ça c'est très bien. Par contre, ouais, bon. Bon, au moins tous les serviteurs coûtent un cristaux de plus, c'est excellent. Bon, par contre, il peut le trade gratuitement. Mais du coup, qui tue en priorité? Ah, il a l'arme. Il a l'arme. Bon, du coup, il va tuer ces deux-là, j'imagine. Eh, mine de rien, on lui donne du fil à retordre. C'est excellent, c'est excellent. Oh là, ah oui, j'ai... Place 5 parchemins dans votre deck
Quand vous en piochez un, lance un sort aléatoire. Donc au calme, hein, j'ai envie de dire. Bon, on va quand même... Ouais, on va quand même trade. Hein. On fait ceci. On va faire ceci pour être tranquille. Allez. Je pense que choc de flamme, c'est pas trop mal. Ouais. Choc de flamme, c'est pas mal. Hein. Parce qu'il risque de poser du board. On va voir. De toute façon. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il va me faire là? Si tu veux. C'est tout? Ça va, hein? C'est vraiment tout? Ok. Ok, 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 ok. Bon, ça va. Je pense pas que le choc de flamme est nécessaire. Je pense pas, hein. On va faire ceci. En vrai, Nova, c'est bien, hein. Eh, Nova... Vous rigolez, mais ça fait du tempo, hein. On peut le jouer en mode tempo. Vas-y, tu sais quoi. On va faire... Ouais, j'ai bien envie. Allez. Ah, attendez, j'ai une meilleure idée. On fait ceci. On peut faire... On peut faire ceci. Ceci. Et prochain tour, bah, on va faire ça. C'est un petit peu téléphoné, mais... Oh, mon choc de flamme plus 7. Oh, il a... Oh, mon Dieu. Mais les parties ne sont jamais pareilles. Donc, c'est pour ça aussi que... Voilà. C'est trop bien. Ah, c'est pas sympa, ça. C'est pas très sympa, quand même. Hein. Il est pas fun, mon adversaire. Vraiment pas fun. Quelle honte. Allez, moi je vais faire ça, tu vois. Je vais faire ceci et ceci. Au moins je mets du board. Réduire. C'est bien ça s'il fait si... Oh, ok. C'est bien s'il fait un destri à pointe. Ok, ah ouais. Bah en fait ça va, hein, parce qu'on va pouvoir faire un bon choc de flamme, ça va être très très bien. Il met pas plus de board, il a raison, hein. Bon, il a raison. Ok, on va commencer par ça. C'est très bien ça, enfin c'est très bien. Je sais pas si ça nous arrange vraiment, mais c'est marrant. Bon, attention à ce qu'il peut nous faire après. Destrier à pointe. Ah non. Ah, il me fait... Ah, ah, doucement, hein. Ouais, Ah, c'est un peu chiant, là. Hein. Ok, on peut faire ceci. Oh là là, c'est un peu chiant. Parce que, attendez. On va... Ouais, là, je suis un peu dans la merde. On va faire ça. Oh, j'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Bah, écoutez, on va faire ceci. Et ceci. Voilà, hein. Ouais, du coup, il y a 6 cristaux de mana, ouais, bon. Ah, merde. Ok, c'est pas un truc trop fort, ça va. Bon, normalement, il va trail la... Ah là là, je suis dans la merde, quand même. Hein.
Ouais, bon, il est pas fun, mon adversaire, je suis désolé. Je suis désolé, il n'est pas fun. On va faire ceci. Ouais, bah en fait, j'aurais jamais dû faire ça, ça m'arrange pas non plus. Bon, je pense que c'est mort cette partie. On va faire ceci. Ok. Bon. Ok, je suis pas mort, hein. Je ne suis pas mort, mais bon. Ah bah, je suis mort avec ça. Ok, on peut quitter. Bon, c'est pas grave, allez. Au moins, vous découvrez le deck. De toute façon, j'ai mis la decklist que vous voyez. Hein. Alors, faites-nous rêver. Fais-moi le rêver, le jeu, s'il te plaît. Ah, et mine de rien, le casque avec le bonnet, ça me fait ça me gratte les oreilles, mais bon. Ok, chasseur, allez. Ah là là, météorologue astromancienne, excellent. Bon, on va virer par contre. Défenseur, on va garder. Allez, on va garder. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on fait de la value hein, avec ce deck. C'est vrai. Ok, ouais, bon. Il me faudrait un match contrôle. Oh ouais, mais non, non. Oh. On n'est pas là pour ça, là. Putain. Oh, au secours. Il va me faire secret, là. Oh là là. Il est insupportable. Bon, s'il me fait rien, c'est bien. Hein. S'il me fait rien, bah, il me fait rien. Écoutez. Est-ce que je projectile? Non. Hein. Oh, quoi? Oh, si, si, si. Je vais projectile, là. Je vais projectile. Je vais d'abord ping ici. Comme ça, il y a plus de chances que ça touche les deux. Parce que s'il y a un projectile qui touche d'abord ici, eh bien là, il faudra mettre deux coups carrément. Vous comprenez les raisonnements? Et ouais. Et voilà. C'est quoi comme ça qu'il faut jouer? Au moins, ces secrets, ben, je vais pas les activer en fait, s'il met des secrets. L'arc, ça va. Hein. Ok, il va face. Étonnant. Je vais mettre le défenseur. Comme ça, ça me protège tout de suite. Saronite, c'est pas mal. Saronite, c'est pas mal. Allez, hop. Prochain tour, on va faire glyph et ceci. Mais on va faire glyph d'abord parce que ça, les sorts seront plus intéressants que les serviteurs aléatoires. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? J'ai l'impression que c'est un chasseur sort. Il était pas sympa, hein, le paladin père, quand même. Moi, je joue des decks fun. Bon, après, je suis rendu, ça. Il faut pas que je m'étonne aussi. C'est tout. Oh, ça va. Bah, ça va. Ok, on va faire glyph. En vrai, je vais faire ceci, hein. Je vais prendre le trade. Je pense que c'est pas trop mal. Ça va, c'est acceptable. Et les astromanciennes seront pas mal, hein. Ok, ça va, parfait. Du coup, oh, je peux faire ceci plus. Ah, c'est pas trop sympa ça. Par contre, je peux faire ceci. Non, attendez. Comment je vais faire ça, moi? Je peux faire ceci.
J'ai envie de ping en fait. Bon, je récupère rien, mais bon, c'est pas grave. Enfin, presque rien quoi. Ok, prochain tour. Prochain tour, on peut faire quand même l'astromancienne qui sera descente. On récupérera un T6, T5, T6. Oh, c'est pas sympa ça. Doucement, hein, quand même. Ok, un secret. Ça va, franchement, ça va. Oh, franchement, il est cool, hein. Ah ouais, quand même. Quand même. on peut faire... Ok, on peut faire... Mante corbeau et enchaîner. Ouais, c'est bof. Hein. C'est vraiment bof. Ok, les enchaînés qui protègent bien. Franchement, ça va pour l'instant. Ok. Bon, c'est un peu chiant, mais ça va encore. Ah, ça commence à devenir chiant. Zakadakuja. c'est bien un météorologue, hein. Attendez, on va faire un trait du genre comme ça. Piège givrant, c'est pas grave. Au moins, ça me fait plus de cartes, et oui. Excellent. Ok, on va faire ceci. Allez, 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 allez. C'est bof. Mais ça va en vrai. Ça, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Ça va en vrai. Regardez-moi ça. Bon, après, il peut raser mon board tranquillement, hein, quand même. Mais là, j'ai une très bonne astromancienne parce que je vais récupérer un T8 vu que quand je vais la jouer, je vais avoir 8 cartes dans la main. Et franchement, on s'en sort bien. Hein. C'est gagnable. Hein. Oh, il va face. Mais il est fou. Attendez, on va ping. On va aller face. Oh, c'est pas cool ça, hein. C'est vraiment pas cool. J'aurais pas dû activer. Oh, c'est pas un bon T5 ça. Oh là là. Par contre, oui, je joue ça aussi. Invoque un coffre 08 pour votre adversaire. Et pour obtenir un trésor qui est aléatoire, et ouais. Bon, par contre, Kalmos avec les secrets. Hein. Je sais ce qu'on va faire. Ok, s'il est pas con, il trade, ouais. Bien joué à lui, bien joué à lui. Parce que du coup... Ouais. Mais c'est pas grave, hein. C'est... Franchement, c'est pas grave, on s'en fout. Autant aller face. Ouais, bon, il a de la chance sur les ripop, hein, quand même. Ok, allez. Attendez, déjà, on va... Voilà, on fait ceci. Ok, bon, c'est bof, mais ça va, hein. C'est mieux que rien. Ok, bon. On a du dégât, hein. On a vraiment du dégât, là. Il peut prendre cher. Ah, c'est pas sympa, ça. Ce n'est pas sympa. S'il est pas... Ah, putain, il a le Cyralar. Ça fait pas plaisir, ça, hein. Oh, que ça fait pas plaisir. Oh, le roi Lich. Oh lolo lolo. Alors là, ça devient très intéressant. Je sais ce qu'on va faire. On va juste en... On va mettre du board un tout petit peu. Bon, en vrai, ouais. On va en trade un. Et... On va face avec le reste, hein. Quoique non. Autant trade tout.
On va récupérer quoi? Oh, c'est fort! Oh, c'est fort, ça! Ah, c'est fort. Bon, là, il doit récupérer absolument le piège explo. S'il a le piège explo, il est bien, en vrai. Hein. Putain, stop, là, quand même. Ah bah, attends, moi, j'ai qu'à... Je sais ce que j'ai qu'à... J'ai qu'à faire. Ceci. Et... bah, je peux faire ceci, hein. Hop. Voilà. Hop là. Ah bah d'accord, ok. Voilà. Excellent. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cette vidéo. Ouais. Voilà, c'était le match casino. J'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, je vous souhaite un bon Noël et j'espère que vous avez eu plein de cadeaux, plein de bons cadeaux. Hein. J'espère que même si vous avez pas fêté Noël ou pas, enfin, vous faites ce que vous voulez, tant que vous êtes heureux, c'est le principal. Allez, je vous laisse ici, c'était Linkos, bye tout le monde.